Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est TheFalsification pour donc une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur Borderlands 2, et oui, pour la suite donc du Playthrough. Alors, pour cette fois-ci, nous serons donc sur Gros Changement. Oui, oui, vous voyez le titre, Gros Changement. Car nous passons donc le Borderlands 2 du Xbox à du Borderlands 2 sur PC. Alors, malheureusement, comme j'ai un peu avancé à partir sur le PC et qu'on parle à Xbox, j'avais pas fait gaffe où j'en étais. Du coup, je suis arrivé à la quête Bonjour and Stronghold. Donc du coup, en fait, si vous vous souvenez bien, Roland a été enlevé. Je sais plus si vous l'avez dit, on l'avait vu dans les autres épisodes. Et Roland a été enlevé, du coup il faut aller le chercher. Et vu que j'ai fait l'exode 4 secondaire, bah, je suis niveau 12 et pas loin d'être niveau 13. Donc vous voyez, mes armes, elles sont pas très mal non plus. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu une bref résumée. Donc vous voyez aussi, changement de personnage malheureusement, qui fait que du coup, bah, c'est tout autre chose. Donc vous allez voir de toute façon comment je vais vous expliquer de façon au fur et à mesure de l'épisode comment ce que c'est. Donc moi je vais plus m'orienter sûrement sur ça, si je me gourre pas, ouais. On va dire ça au départ et puis peut-être après ici environ. Mais en tout cas pour l'instant je suis plus orienté sur le côté gauche, voilà, de la compétence. Donc on va pas tarder, hein. On va directement aller au Bloodshot Stronghold comme ils disent. On verra qu'il y aura des détails graphiques qui sont plus beaux, hein. Par exemple style, vous allez voir des effets physiques, le truc physique de Nvidia, c'est très simple, vous allez voir, attendez. Je crois que j'ai une clé, je suis pas sûr. Ouais, j'ai même deux clés. Oh oh oh, deux clés, vous avez... Imaginez le truc de mal que je peux avoir. Donc là, on va aller très loin de vallée. Vous voyez que là, c'est plus rapide, hein. Juste avec un petit clic et hop. J'ai juste à faire ça, alors que là, moi, je dois le faire bababababababab pour aller là. Là, j'ai juste à faire un petit clic et puis basta. Ça me TP directement. Donc on arrive là. Je vais aller chercher mon petit Warthog. Regardez, je sais pas, attendez, je sais pas c'est quoi. Regardez, hop. Ah merde, ça a pas marché. Vous voyez, il y a des petits effets d'explosion, attendez, je vais recommencer. Vous voyez, ces petits effets d'explosion, là, pas dans... Dans... dans la Xbox et dans le... Merde, je sais plus comment donner ma coupe. Voilà. Faut que je reprenne un peu l'habitude aussi. On les trouve pas dans la Xbox et la PS3, on les voit que sur PC. Si bien sûr on a un PC, malheureusement je vais dire ça, mais haut de gamme. On peut avoir des effets physiques, c'est donc du coup grâce aussi à Nvidia. Et du coup on peut voilà avoir des petits effets un peu sympatoches. Ça, il faut l'avouer. Bon là, je suis tellement nul au pilotage. Et c'est parti, donc ouais, on doit... Pas grand monde, on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Comment je fais? W. W. Allez, rouille-toi! Rouille-toi, ouvre la porte, trop de jeux! Attendez, abruti! C'est pas une de nos bagnoles! Ils sont là pour l'otage! Fumez-les! Oh merde! Ah Warrior! Voilà, c'est trop facile, hein, vous voyez. On leur fait mal. Ah, il y a peut-être la toile qui fait chier un peu son monde. Voilà. 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 Et même de l'héritium en plus, regardez. Oh, what the fuck? What the fuck, le gars, il va regarder. What the fuck, dude? Il marche au-delà. Là, je veux dire, il marche. Il tire au-delà de la porte, mais c'est quoi ce bordel là? Allez, nous, on s'en va. On doit aller voir Ellie, donc comme vous avez pu entendre, at the Dust. Et pour certains, ça va nous rappeler un peu des moments. Merde, que j'ai fait moi? Oups. M. Au véhicule. Voilà. C'est ça ce qui fera rappeler à certains les paysages qu'on avait le plus souvent dans Borderlands 1, les paysages désertiques où il y avait presque rien. Alors que maintenant dans Borderlands 2, c'est tellement varié. T'as plus eu de signal écho pendant des heures, je pensais que tu t'étais fait avoir. Mais t'es toujours là. Cool. Tout ça. Cool tout ça pour qui? Par contre, j'ai peut-être un peu augmenté l'audio. Ouais, les dialogues. Des effets sonores, bien sûr, et de la musique. Voilà, comme ça vous entendrez un peu mieux le jeu. Moi de toute façon avec mon montage je pourrais me commenter ma voix et baisser le jeu, c'est pas très grave. Donc là on va tuer un peu de ça, on va se faire un peu d'XP. C'est bon, c'est toujours bien d'avoir 14 XP en plus. Voilà. Allez on y va, on rentre dedans. Et cinématique. J'aurais dû buter ton gros cul il y a longtemps. Et vous voyez, ça dégouline de sang. Et elle, c'est une mafieuse, hein. Non, je déconne. C'est des trucs, je tue des gens comme ça. C'est génial.
Enfin, son si on s'en fout, c'était un bandit. Ah, salut, t'es déjà là, toi? Ah, salut, t'es déjà là, toi? Vous, chaque fois que je joue avec mon frère ou que je sois tout seul, ça me saoule quand il fait ça. Ah, salut, t'es déjà là, toi? Bon, je sais, je pète un câble, mais c'est pas grave. C'est la vie, hein. J'ai pas beaucoup de visites par ici. Tiens, prends-toi un coup de fusil à pompe. Tu pars sauver ton patrolant qui est retenu au barrage? D'ailleurs, attendez, je vais faire un truc. Option de réseau, en ligne, public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourront me rejoindre. Comme ça, ça sera cool. Au volant d'un de ces bons vieux poids lourds. J'en ai un juste là, si tu... J'ai explosé le conducteur dedans. Désolé. Bon, j'ai une caisse standard dans l'atelier et la plupart des pièces qu'il faut. On va la maquiller avec des conneries des bandits. Points de sang, crâne, ce genre. Tu pourras en récupérer sur leur caisse qui patrouille dans le coin. D'accord. Donc là-bas, enfin, faut les chasser. Faut chasser des véhicules. Let's go. Je t'écrase, mais c'est normal. Tu ressens rien. Tu ressens pas la douleur. Aïe. Oh, il y a un hélico là. Les hélicos d'Avatar, ils sont là. Ah. Boum. Regardez comment ils se crashent. J'adore comment ils se crashent, les hélicos. C'est tellement excellent. Oh, il y a trop de véhicules là. C'est le bordel. On les explose. Oui, c'est des superbes effets. Hein. Je crois que dans le... On en avait pas au départ dans l'autre. Là, vous avez eu magnifique effet. Bon, je sais que j'abuse un peu trop à fouiller des louanges à mon jeu qui est super beau. Mais voilà. Regardez, j'ai un truc planté sur mon véhicule. Ah bah, il vient disparaître, mais malheureusement, il y avait un truc de planté. Attendez, lui là. Allez, meurs. Voilà. Ok, ma petite. Donc là, on shoot les tarés. Hein. C'est très simple. C'est juste avec clic gauche et clic droit. Je reste appuyé. Du coup, ça me tire les deux mitraillettes en même temps. Regardez-moi ça, comment je les éclate. Oui, c'est la guerre, c'est la war. Vous pouvez voir que c'est quand même plus précis avec un... Bien sûr, comme beaucoup de monde le sait, avec une souris de PC qu'avec une console. Regardez, hop, je tourne vite fait, tu vois, c'est... Bon, là, je... je me suis complètement planté, mais c'est pas grave. Et là, on est arrivé, on a découvert une nouvelle zone. Et là, il y a un gars, il y a un bandit. Oh, yes. Oh, regardez comment il s'est retourné mon véhicule, c'est excellent. Ils sont pas bloqués. Ils étaient pas un peu bloqués, eux. Voilà, c'est bon, on a réussi, on se barre. On va juste dégommer ça. J'aime bien dégommer des véhicules, c'est trop marrant. Regardez, boum! Encore un. Si, viens là. Voilà. Allez, c'est bon, on repart. Regardez, j'ai encore deux trucs plantés dans mon véhicule, magnifique. Ça, je peux vous jurer que sur la Xbox, on n'a pas ça. Hein. Et on voit pas les petits effets trucs plantés dans la gueule, ils disparaissent directement, aussitôt. Des petits effets de fumée. Et voilà. Oh, attention! Ouh, j'ai failli l'écraser lui, le pauvre. Oh mon dieu, je vais trop vite. Ouh, accident. Allez, coucou ma petite. Et tu pourras y aller. Ok ma petite. Waouh, c'est la classe. On n'a plus qu'à l'obtenir à l'aide du système autolock. Enlevez vos soldats de nos caravanes. On transporte du matériel extrêmement précieux pour Papa Odunk. Et il n'est pas question que je me fasse encore dévaliser. Bon, ça on fait pas attention, ça c'est un gars en fait qui passe tout le temps, c'est un événement aléatoire, mais bon, on s'en branle, hein, on va pas aller chercher. Ça c'est pas dans la quête hein. Chouette. Tu pourras te numéraliser une caisse de bandits dans n'importe quel autologue de mon frangin. Repasse me voir à l'occasion. Allez, salut. Ok. Et justement. T'as vu mes bouchons de radiateur sur les bagnoles ? On va faire d'abord les quêtes secondaires avant de réaller là-bas là. Leur design est canon. On va. Tu peux pas leur démolir quelques caisses et me rapporter leurs bouchons. Merci madame. On va juste faire les quêtes d'avant de eux parce que sinon rage, on va morfler. Parce que je connais comment faire la mission. Il fait de chance faisant une partie de volleyball à tête de sa vole leur balle.
On va mettre du violet turquoise. Oh, regardez comment c'est beau les véhicules comme ça. M'a dit rire. Non, j'arrête. Donc, tiens d'ailleurs, vous allez pouvoir aussi que je vais passer à Borderlands 2 en HD. Hein. On vient de passer à Borderlands 2 en voilà, HD. Attendez que je suis sur PC. Psychopathe. Ça me plaît grave. Retourne au Bloodshed Dam et essaie de klaxonner pour entrer. Donc là, attendez. Je vais reprendre les quêtes. Voilà, ça. Et puis, c'est parti. On va aller tuer ceux-là. Là. On doit tuer ça en fait. Comme ça, on récupère des pièces. Ah la blague. Attends, déjà la blague c'est qu'elle est moche. Et la deuxième blague c'est que sa mère c'est Moxie. Ah bah voilà, c'est ça que je vous disais, ces trucs événements aléatoires, c'est ça. Ce truc qui sert un peu à rien. C'est chaud, hein. Je vous dis, c'est très chaud avec cette arme là quand. Avec la souris et tout. On va voir ce qu'il a eu. Oh, il a un beau bouclier, j'ai vu. Que des boucliers de merde, mais on va les prendre pour les vendre. C'est toujours ça de prix. Aïe. Je suis en train de mourir. Cours. Roule, mon petit, roule. Voilà, là je l'ai eu lui. Lui il va avancer tranquillement, vous inquiétez pas, il fera rien. On va vite espérer que notre truc remonte. Allez voilà, remonte rapidement. Là il y a un véhicule qui est bloqué. Que je vois sur la carte, il y a du rouge. Oh merde! Et il est mort, he's dead! Là. On le shoot. Voilà. Quatrième bouchon. Là-bas. Lol. Elle se auto-dérisionne, je crois, la petite meuf. Bon, de toute façon, le jeu est une auto-dérision de lui-même, de toute façon, vous voyez très bien. Oh, regardez, c'est magnifique, truc en l'air. Oh, merde. Qu'est-ce que vous voulez, vous prenez-vous ça dans des petits trucs dans la gueule, là. Voilà. Et il n'en reste plus que un qui se trouve là. Et qu'on va allumer. Allumer la voiture. Tiens, regarde. Oh là là, combat de voiture. Et voilà, adieu mon cul. Et c'est parti, on peut ramener donc les petits bouchons. Allez, aïe, il fonce dedans. Ouille, on fait que passer. Oh merde. Allez, on y va, on court. Écrasons les trucs. Oh, ok. Là, il m'a suivi jusque là, t'es sérieux? Bon ben, voilà, peine de mort pour ceux qui m'ont suivi, quoi. Pas de pitié, no mercy. Et puis on sort de cette voiture violet turquoise, qui est très moche. Allez, on pose des trucs. Vous voyez, c'est des sortes de poupées, de statues, on pourrait même dire. Sexy. Celle-là, elle est pas mal. Vous avez vu quand même les bruits qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Explosion, vol. Du coup, on a eu un bonus, une relique, mais on en a déjà une. Non, excusez-moi, on en a pas. Donc c'est pas sur celui-là que j'ai un bonus. C'est pas sur celui-là que j'ai un bonus vu que j'avais précommandé. Du coup, ben. J'ai que c'est là comme on dit. Et on va faire la quête suivante qui est hard quand même, je me rappelle bien. Car il y aura un moment où ce sera des gars un peu chelou qu'il faudra tuer. Et ils sont pas aussi easy qu'on le pense.
Et c'est parti. Vous allez voir, on va faire un super décollage. Je sais plus si c'est là. Tant pis, on tente le coup. Décollage. Oh merde. Waouh. Voilà, un de moins, on enchaîne, on fait des PGM. Toi, tu comprends ta life. Par contre, je me rappelle plus comment utiliser notre tourelle. Faudrait que je me rappelle des touches. Non, ça c'est pour ça qu'au pire. Ça doit être un truc comme R, H. Je vais bien trouver façon de toute façon. F. Ah oui, donc c'est F, en fait c'est F pour le turbo ici et c'est le F pour la tourelle après. Qui va bien me servir. Donc oui, vous avez compris pour certains qui l'ont compris, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi. Donc j'ai changé pour un bon petit soldat avec sa petite tourelle. Donc un peu le Roland de Borderlands 2. Vu que Borderlands 1 c'était Roland avec sa tourelle qui avait un bouclier. Là c'est... ah comment ça s'appelle, merde. Ah je sais, j'ai plus son nom par contre, excusez-moi. Ah oui, Axton, voilà, excusez-moi, Axton qui... avec sa tourelle va normalement tout défoncer sa race. Donc là il faut que je prenne tous les trucs des joueurs là, de monsieur. Là je suis... T'es réfléchi, t'es mort. Non, je suis dans un camp je suis dans un camp d'hélicoptères. Hélicoptère, hélicoptère. Bon là je faisais référence à Langue de Pub qui est excellent avec ses... ses émissions Minute Papillon qui sont à tordre de rire. Je vous la conseille. Vous mettez Minute Papillon sur YouTube et vous la trouvez simplement. C'est tellement mort de rire qu'on s'éclate tellement. Donc allez, on continue notre partie, on va pas plus faire que de la pub à tout le monde. On joue tranquille. Merci. Vous voyez, je suis un peu de Chuck Norris là, je me balade tranquille, normal. D'ailleurs, par contre, là, je vais peut-être commencer à activer ça parce que là, il y a beaucoup d'hélico. Ah, j'aime bien, c'est qu'ils sont téléguidés, regardez ça. Niveau supérieur. Donc du coup, plus de dégâts. Par contre, il y a un gars qui me tire dessus, là. Là-bas. Ouais, rocher, PGM, like a boss. Boum, explosion. Michael Bazier. Et on va même se couvrir parce que... on a eu un point de compétence, les gens. Et donc, on va le faire dans... on va mettre la précision de la tourelle sabre, comme ça elle pourra nous aider pour être plus précis. Elle pourra mieux viser par exemple ces hélicoptères qui nous narguent. Et à l'intérieur, tenez, prenez-vous ça dans la gueule les petits échos. Ou prenez-vous ça dans la gueule les gars là-bas. Du coup malheureusement notre tourelle s'acharne sur les gars qui sont là. Voilà. Voilà, magnifique là. Magnifique, magnifique ma tourelle. Merci ma tourelle. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es là plus fort. Lui il va refaire un passage. Et voilà, regardez, explosion. Oui, ça fait blockbuster, vous savez, Hollywoodien, Black Ops et tout, l'attention. Oh non, il va me tuer. Non, ça va, mon bouclier a fait effet, donc vous voyez j'ai un bouclier qui fait des explosions quand il est déchargé. Du coup ça fait très très mal sur eux. Là il y a un gars, regardez, on va faire opération snake. Il m'a pas vu et cours. Oh oui, oh, ça fait mal. Oh oui, tu fais, oh ça fait mal. Ouh. Et là regardez, tourelle en action. Qui capte que dalle. Ah si, quand même. Voilà. On va te reprendre du coup. Pour dire qu'au moins on puisse récupérer un peu de temps de latence. Sinon, je ne servira à rien. D'ailleurs, j'ai oublié un truc avant. Attendez, je reviens. J'ai oublié de récupérer quelque chose. Et oui, j'ai oublié qu'on était en quête. Hein. Moi, je croyais que j'étais à fond. Vous voyez, j'étais à fond dedans. J'ai complètement oublié qu'il y avait une quête à faire. Et du coup, je récupérais que dalle. Je récupérais que dalle par terre. Et...
Donc voilà, j'ai oublié un ballon, je sais plus quoi. Ici, attendez, on va le voir. Il est... où? Il est où en fait? Là. Allez, le voilà. Le ballon de volée. Parce qu'il joue au volet, les joueurs des échos. Oh merde. Oh merde. Oh merde, bon, on va mettre vite fait la tourelle avant que je meure. Et j'ai réussi à l'avoir. Ah non, il m'a bloqué. Eh, je suis bugué. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ah là là, troll. Ah, c'est bon. Oh, j'avais peur, j'étais bugué, mais j'ai bugué. Hein. Bon, tu vas te ouvrir, toi. Que je vois ce que tu as de beau dans le ventre, hein, par là. Mode de grenade, mode de grenade, mode de grenade et un bouclier qui fait des meilleurs dégâts de pointe. Qui a une meilleure cadence mais qui perd des trucs. Donc je vais prendre. Je prends, mais pour juste revendre. Vous voyez, il y a des petits effets par terre. Regardez, par exemple le sang, ça c'est du truc physique. Donc c'est que des petits bonus, hein, c'est vraiment, mais ça ajoute des petits effets un petit peu sympatoches, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et dès qu'on aura fini cette quête là, on s'arrêtera là donc pour cet épisode 10, et on reprendra directement bien sûr avec l'épisode 11 de notre PSOUS. Et on se finira sûrement, je pense, dans l'épisode 11, là où vous le pensez, c'est-à-dire à Bloodhold Stronghold. Car comme vous avez pu remarquer, je viens de passer niveau 13 tranquillement. Par contre, ce que je vais faire là, c'est que je vais rusher comme un gros taré pour dire que je puisse mettre la toile au milieu et qu'elle fasse des gros dégâts. Voilà, vas-y, amuse-toi ma petite tourelle. Toi, je te dégomme. Allez, on essaie de trouver le joueur. Hop là. Des dollars, ça fait toujours plaisir. Ah merde. Non, mon inventaire est plein. On s'en fout. Oh putain, y'a du people. Oh là là, y'a du people. Et qu'est-ce que je sais pas viser en même temps, mon arme elle part en cacahuète pour n'importe quoi. Voilà. Ah, ça va, j'ai assez touché au moins plusieurs fois. Allez, reviens mon petit hélico. Voilà, attention, explosion. Oh, lui. Ça va, on y arrive bien. Je pensais qu'on allait plus galérer tout seul, mais là ça va. Et là regardez. Ouais, c'est tellement épique comme ça là, en suivant le truc. Explosion là. Toi, t'es mort. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est choper, sauter et ressauter, et on l'a. Voilà. C'est pas le moment de flancher. T'as presque tout. C'est pas le moment de flancher. Ah, mais regardez ces voix quand même. C'est vraiment parodique à souhait, quoi. Oh, il a déjà un chrome. Oh, freeze. Oh, j'ai un mini freeze, pardon. Oh, refreeze. Allez, hop, on a tué les deux papiers qui essaient de nous tuer. On a repris des munitions de fusil de combat. Il reste plus qu'à y faire l'objectif que notre pépère nous a demandé, c'est-à-dire de cramer les filets de combat. On va attendre un peu que ma tourelle revienne, donc du coup pour l'instant je vais fouiller un peu les alentours. Car après vous allez voir que ça va être un peu chiant, ils vont être un peu durs à tuer en fait, les monstres qui vont sortir de là. Et du coup je préfère avoir quand même une sorte de soutien, c'est-à-dire ma petite tourelle. Comme ça. Oh putain, j'ai des frises. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des frises. J'espère que c'est pas trop méchant et que ça ira mieux. Hop, on monte.
parce que des moments, il y a toujours des coffres cachés, hein, faut toujours, le plus souvent, et je vous le dis tout de suite, le plus souvent, il faut toujours bien fouiller pour trouver des trucs intéressants. Et là-bas, il y a un enfoiré qui essaie de me tirer dessus, regardez. Si je sais bien viser. Et je sais pas viser en fait. Bon, c'est pas grave, on va lui envoyer ça. Et il est mort, vous voyez, c'est magnifique, une grenade et puis basta. Hein. Conseil des moments. Bon, je sais pas ce qu'il lui faut par contre. Attendez, j'ai une idée. Ce que j'aime bien avec ces conneries, c'est que c'est une arme incendiaire. On a une arme incendiaire, mais ça veut pas. On sait pas pourquoi. L'arme incendiaire, la voilà. Ça aussi, c'est une arme incendiaire, mais ça veut pas. Et parce que je suis con, parce que j'ai oublié d'asperger le truc, donc du coup... Qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con. Allez, dites-moi en commentaire, mais qu'est-ce que t'es con, hein, pour dire qu'on suit le truc. Voilà, donc c'est parti. Non, ça veut toujours pas. Allez. Eh, c'est un truc incendiaire, mon petit, là. Bon, là, on va devoir prendre le truc incendiaire, alors. Et si ça veut pas encore, c'est qu'il y a un putain de problème. Ah, bah voilà. Et là, je vais mourir. Voilà, donc comme je vous le disais, j'allais mourir. Merde, c'est les gars qui m'ont viré. Bute-les, explose-les. Non. Oh oui. Oh la chatte, vous avez vu. Au dernier moment, je m'en sors indemne. Oh, j'ai réussi. Oh là là, à chaque fois, je mourrais toujours moins une fois. Et là, j'ai réussi. Oh la chouine chatte. Et on ouvre le coffre pour la fin, pour le bonheur, pour les kékés. Non. C'est quoi ce... En fait, la SMG elle est pas mal. Hein. Ouais, non. On pourrait même prendre celle-là. Elle est plus puissante, donc on va la prendre. Voilà. On a fait notre petit commerce, on s'en va, on va aller à la maison et on s'arrêtera là donc pour l'épisode 10. Et on reprend notre véhicule de bandit, toujours le même. Et puis c'est parti. Oui. Virage mal pris et du coup est égal. Accident. You. On va aller voir notre pépère qui nous avait donné la quête pour lui dire c'est bon, on a réussi mon petit. Regarde. Tiens, voilà. On va prendre ceux qui se vendent le plus cher. Maintenant on va faire un peu de vente, hein. Je sais, avant qu'on finisse l'épisode, je vais quand même faire un peu de vente. Parce que là, c'est le bordel. On vend, ça je viens. On vend. Vous voyez, en plus c'est plus simple, vous avez juste à cliquer et puis basta. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah mmh. Ouais, pour un seul truc en plus, ouais, non, ça changerait que de. Par contre, on va faire ça. Ça va booster votre résistance. Voilà, comme ça, je suis soigné à donf. Munitions. Tu ne trouveras pas meilleur marchandise d'ailleurs. Je pense qu'il est assuré. Parfait. Marcus qui s'assure toujours de tuer tous les autres fournisseurs. Comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis bah, il ne restera plus qu'à passer à opération de sauvetage. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur cet épisode 10 de Borderlands 2 pour ceux qui suivent le PlaySouth. On vous retrouvera donc pour l'épisode 11, je l'espère, pour l'opération donc de Stronghold. Donc là, on va devoir libérer Roland. Attention, il va y avoir beaucoup de surprises, mais je ne dirai pas plus. Et puis, bah, n'oubliez pas de mettre un j'aime, n'oubliez pas de réagir si vous voulez que ça continue cette série. Et puis moi, je vous dis à plus et à la prochaine donc pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.